C'est devant plusieurs dizaines de personnes réunies dans la commune de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que l'ex-président Laurent Gbagbo a tenu vendredi un meeting, 2 ans jour pour jour après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale. Le 31 mai est la date où l'iniquité a été effacée. Le 31 mars est la date où l'innocence de l'innocent a été reconnue. Laurent Gbagbo avait été acquitté de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Si la Côte d'Ivoire veut être une nation de paix, de justice et de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer à rechercher les coupables. Ce premier meeting depuis son retour en Côte d'Ivoire en juin 2021 a été également l'occasion de faire un état des lieux des possibles alliances politiques avant la présidentielle de 2025. Le PPSCI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, compte reconquérir le fauteuil présidentiel.